Bonjour chers élèves, toujours à propos des fonctions numériques. La séance précédente, nous avons parlé de fonctions croissantes, décroissantes. Et aujourd'hui, nous allons prendre des exemples concernant la notion de fonction croissante et de fonction décroissante. Exemple 1. On va prendre un exemple qu'on doit en fait connaître. Rappelez-vous l'exemple de l'activité, c'était f de x égale à 2x plus 1. Nous allons prendre maintenant f de x tel que f de x est égal à moins 3x plus 2 par exemple. Nous voulons étudier, voir si cette fonction est croissante ou décroissante. Quel est le domaine de définition? Le domaine de définition, c'est R. La première, c'était f de x est égal à 2x. Tout le monde a remarqué que le coefficient directeur de la droite, en fait, c'était une droite 2x plus 1, elle était positive. Et là, le coefficient de la droite qui est y est égal à moins 3x plus 2, elle est négative. Donc, on va voir que selon le signe de la pente de la droite ou le coefficient directeur, la fonction sera soit croissante, soit décroissante. On a d de f est égal à r. Si on prend, on va prendre soit x1, x2, 2 réels, tel que x1 inférieur à x2. Rappelez-vous, on a toujours la même condition pour que f soit croissante ou décroissante. On commence par x1 inférieur à x2 et on compare les images. Pour aboutir à l'image de x1 qui sera moins 3x1 plus 2, on a besoin de multiplier ici par moins 3. Donc, multiplier les deux côtés par moins 3 et puis ajouter 2. Si on multiplie par moins 3, donc dans la leçon consacrée à l'ordre dans R, si on multiplie par un nombre négatif, on doit inverser l'inégalité, c'est-à-dire moins 3x1 sera supérieur à moins 3x2. Et si on ajoute 2, c'est-à-dire moins 3x1 plus 2 sera supérieur à moins 3x2 plus 2. Là, c'est l'image de x1. Et là, c'est l'image de x2. Donc, nous avons commencé par x1 inférieur à x2. Nous sommes aboutis à f de x1 supérieur strictement à f de x2. Comment peut-on dire de cette fonction? C'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, f est strictement décroissante sur R. On peut généraliser ce genre de fonction affine. Le premier exemple, si vous vous rappelez, c'était f de x est égal à 2x plus 1. On a dit c'était f de x est égal à 2x plus 1. Elle est de la forme f de x est égal à x plus b avec a positif. Le deuxième exemple qu'on a fait maintenant, c'est f de x est égal à moins 3x plus 2. C'est aussi de la forme f de x est égal à x plus b avec a négatif. Donc, de façon générale, comment sont les variations d'une fonction affine? Ça dépend du signe de A. Si A est positif, la fonction sera croissante. Et si A est négatif, la fonction sera strictement décroissante. On peut la prendre comme remarque. Donc, on a dit que le premier exemple consacré à l'activité, c'était f de x est égal à 2x plus 1. 2 était positif, c'est-à-dire la pente de la droite était positive, on a vu que la fonction est croissante. Dans ce premier exemple, on a f de x est égal à moins 3x plus 2, a, elle est de la forme ax plus b avec a négatif, nous avons trouvé que la fonction est décroissante. De façon générale, si vous avez une fonction de la forme f de x est égal à x plus b avec a différent de 0, c'est-à-dire une fonction affine, les variations de f, ou bien la monotonie de f, dépend du signe de a. Si a est positif, la fonction sera strictement croissante sur R, où la droite, elle sera, si on veut la tracer, c'est la droite, elle sera croissante. Si A négatif, F est strictement décroissante. On peut résumer ces deux résultats dans un tableau appelé tableau de variation. Tableau de variation de la fonction f telle que f de x est égal à ax plus b avec a différent de 0. On a dit que si a est positif, la fonction, on a dit, elle est croissante.
le symbole d'une fonction croissante. C'est une flèche montante de gauche à droite. Donc elle est croissante sur R. Donc c'est le symbole d'une fonction croissante. Ou bien strictement croissante en fait. En fait, si f est strictement croissante, elle est croissante. Hein. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si a est négatif, on a dit que la fonction elle est strictement décroissante sur R. On a x, f de x. Le symbole d'une fonction qui est décroissante, c'est une flèche descendante, de gauche à droite évidemment. Donc c'est f de x est égal à x plus b, la fonction est croissante sur R. Si a est négatif, f de x est égal à x plus b est une fonction qui est décroissante sur R. Donc nous allons prendre l'exemple 2. Nous allons par exemple considérer la fonction g définie par soit g, la fonction définie par g de x égale à x plus racine de x. Tout le monde constate que le domaine définition de cette fonction c'est R plus. Parce qu'il faut que x soit positif, c'est une expression en dessous de la racine. Domaine définition de g c'est R plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini. si on veut étudier les variations de la fonction f sur R+, donc comme a été signalé dans la définition, nous allons prendre deux éléments x1 et x2 appartenant à R+, tels que x1 inférieur à x2, et nous allons comparer g de x1 avec g de x2. Donc soit x1 et x2, deux éléments de quelconque de R plus, tel que x1 est inférieur à x2. Si x1 est inférieur à x2, on a dit que les deux nombres x1 et x2 sont tous les deux positifs. D'après les propriétés qu'on connaît sur la notion de racine, si x1 est inférieur à x2, alors racine de x1 elle sera inférieure à racine de x2. Et on sait que l'addition elle est compatible avec la relation inférieure ou égale. Donc en faisant la somme, d'où x1 plus la racine de x1, elle est inférieure à x2 plus la racine de x2. C'est-à-dire, vous avez l'image de x1 par g, elle est inférieure à l'image de x2 par g. Donc x1, on a pris x1 inférieur à x2. Nous sommes aboutis au fait que g de x1 est inférieur à g de x2. Donc c'est la définition d'une fonction qui est strictement croissante. Donc la conclusion, donc g est strictement croissante sur R+. Si on veut dresser le tableau de variation de g, tableau de variation de G. Donc, il est constitué de deux grilles, celle de X, celle de G de X. La fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini. On a dit que la fonction, elle est croissante. L'image de 0, on peut le calculer, c'est 0. Et après, on verra plus tard qu'est-ce qu'on fait ici. Ça, c'est concernant le premier exemple. Le troisième exemple. Nous allons prendre un exemple aussi simple qui est f de x égale une fraction, par exemple, soit f, la fonction définie par f de x égale à 1 sur x moins 2. Tout le monde constate que le domaine de définition ici, c'est R moins le singleton 2, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à 2, union 2 plus l'infini. Donc on va étudier les variations de F sur l'intervalle 2 plus l'infini.
Et si on a compris l'étude des variations sur 2 plus l'infini, on peut les déduire dans l'autre cas aisément dans l'autre côté. Donc si on va prendre, on a df à côté égal, d de f c'est r moins le singleton 2 sous forme d'intervalle. C'est moins l'infini jusqu'à 2, union 2 jusqu'à plus l'infini. Si on pose par exemple, i c'est l'intervalle 2 plus l'infini, et on va voir comment est la fonction sur cet intervalle. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? On a dit qu'on va l'étudier sur 2 plus l'infini. Je vous laisserai l'occasion pour l'étudier sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc on va poser par exemple étudions les variations de f sur l'intervalle i est égal à 2 plus l'infini. Donc on a dit on va prendre deux éléments quelconques, x1, x2, tous les deux supérieurs à 2, et on va comparer leur image par f. Donc soit x1 et x2, deux éléments de i tels que x1 est inférieur à x2. Donc on va comparer g de x, f de x1 qui est 1 sur x1 moins 2 et 1 sur l'image de x2 qui est égale à 1 sur x2 moins 1. Donc on a besoin de retrancher des deux côtés. Si on retranche x2, si on retranche 2 des deux côtés, on aura x1 moins 2 est inférieur à x2 moins 2. N'oubliez pas que x1 et x2 sont pris dans l'intervalle 2 plus l'infini. C'est-à-dire que x1 il est supérieur à 2, x2 il est aussi supérieur à 2. Donc x1 moins 2 c'est un nombre positif. x2 moins 2 c'est un nombre positif. Donc si on passe aux inverses, l'inégalité va changer. Puisque x1 moins 2 est positif et x2 moins 2 est positif, en fait, tous les deux supérieurs à 0. En passant aux inverses, qu'est-ce qu'on aura? Alors, 1 sur x1 moins 2 sera supérieur strictement à 1 sur x2 moins 2. C'est-à-dire que g de f de x1, c'est-à-dire que f de x1, elle est supérieure à f de x2. La conclusion, donc on a pris x1 inférieur à x2. Nous sommes aboutis au fait que f de x1 supérieur à f de x2, c'est la définition d'une fonction qui est décroissante. Donc f est même strictement décroissante. Donc f est strictement décroissante sur 2 plus l'infini qui était noté i. Je vous laisserai l'occasion d'étudier la moitié de f sur l'autre côté. Vous allez la trouver aussi décroissante. Jusque-là, nous allons nous arrêter et à la séance prochaine, Inch'Allah.